Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir avec vous Pierre Bénichou, il est là. Christine Bravo, par ici. Valérie Mérès. Jean-Bernard Hébé. Isabelle Alonso. Et Stevie Boulet. Alors Christine. Non. Vous avez mangé des coquillages hier soir? Oui. Donc je suis faite en collier, voilà. C'est joli. Ouais, et je vais vous dire, c'est l'hiver, il fait un froid de canard, et s'habiller en rose, eh bien, ça donne une vision de la vie beaucoup plus Souvenez-vous, Madame tendre. Bachelot, qui était toujours heureuse au gouvernement, souvenez-vous. Elle était toujours heureuse, c'est vrai, habillée en rose, optimiste, voilà. Joyeuse. Moi, voilà. Je sais pas si j'ai quelque chose de rose, non, même pas. Moi, sûrement, on cherche bien. En cherchant bien, on peut trouver. Ah non, c'est pas de rose, même en cherchant, j'en ai pas. Ça commence fort, hein, Pierre, hein, franchement. Oh, ah, vous mettez la barre drôlement. Ah, hein. Vous allez bien, Valérie Mérès, il y avait longtemps. Ah, oh, il y avait longtemps. Vous nous avez manqué. Est-ce que j'aime ça. Moi, c'est que Laurent, si je manque à Laurent, je suis contente. Il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de José Luis Zapatero, le premier ministre espagnol, accueilli hier à l'Assemblée nationale. Et ce qui est marrant, c'est de voir les différentes photos publiées par les journaux. France Soir, par exemple, tout d'abord, regardez, Lara Farah et Debré ont l'air vraiment heureux de poser avec le premier ministre espagnol. Ils sont tous souriants. Et hop, on va dans Libération. Et voilà, manifestement, entre-temps, ils ont appris qu'il était de gauche, parce que voilà, il tire une gueule, c'est incroyable. Le socialiste espagnol a en tout cas très bien répondu à un député communiste qui accusait la Constitution européenne d'aggraver la politique ultra-libérale. Il a en effet répliqué, M. Zapatero, « Y a-t-il un régime, un espace, un continent dans le monde qui ait un niveau de bien-être social supérieur à celui de l'Europe ?» Ça, c'est une belle réponse. En fait, ce qui est bien dans l'Europe, c'est ça. C'est que pour trouver des bons arguments pour le oui, il faut qu'on fasse venir des hommes politiques d'Espagne. Moi, je comprends finalement que sur le marché européen de l'intelligence, la libre circulation des hommes politiques, ça fout la trouille à certains chez nous. Hein. Pierre. Je ne pas que c'est une bonne réponse qu'il a donnée. Tout à fait. Mais moi, je le trouve formidable, ce Zapatero, parce qu'il a l'air frêle. D'habitude, les hommes politiques, dès qu'ils ont 2 ou 3 ans de machin, ils prennent une sorte de maturité un peu épaisse comme ça. Et lui, ça a l'air d'un jeune homme. Et je sais pas, ça lui donne un côté vrai. Quand il parle, on le croit, ce type. Non, mais sur le fait que l'Europe, parce que c'est bien gentil son physique. Ah, oh, l'Europe, si vous allez par là, c'est trop compliqué. Isabelle Alonso. Moi, ce que j'ai bien aimé chez Zapatero, c'est quand on lui a demandé s'il était pour un oui avec la droite ou un oui avec la gauche, il a dit qu'il était pour un oui sans nom de famille. Et j'ai trouvé ça assez joli. Vous l'avez suivi, Valérie? Bon, non, je ne suis pas les hommes. Vous l'avez vu avec son bras droit, Bernardo, qui lui fait des signes derrière. Parce qu'elle confond Zapatero avec Zorro, elle. Hein, mais c'est-à-dire Zapatero, ça veut dire savate. Mais non, ça veut dire savatier. Ça veut dire celui qui fait les zapatos. Voilà. C'est le père d'Hervé Guémard. C'est ailleurs. Autre photo. Celle de Bruno Gollnisch qui, après ses propos sur les chambres à gaz, passait hier devant la section disciplinaire de l'université de Lyon 3. Ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça, Gollnisch, qu'on appelle d'ailleurs ce matin dans France Soir le dauphin de Le Pen. Le dauphin de Le Pen. Franchement, on l'appelle le dauphin parce qu'il sait très bien faire flipper lui aussi. En même temps, un dauphin, ça a quelque chose d'humain, normalement. Même la fille de Le Pen a l'air plus humaine que lui. On la voit pas d'ailleurs en ce moment, la fille de Le Pen, parce que justement, elle est en vacances à Marine Land, où on essaye de l'apprivoiser. Lyon toujours, mais côté football maintenant, avec l'élimination de l'Olympique Lyonnais par Clermont-Ferrand, un petit club de Ligue 2. Les Auvergnats ont battu le champion de France sur pénalty. Une équipe Michelin finalement face à une équipe crevée, mais on voit tout de suite celle qui fait une sortie de route. Il faut dire quand même que l'avant-centre de Clermont-Ferrand est increvable. Regardez un peu. Elle ne le reconnaît même pas. Oui, c'est Giscard. Suivez un peu, Christine Bravo. Oui. Il joue encore à Clermont-Ferrand, vous pensez? Il joue à la mi-temps surtout. Oui, Jean-Bernard. Non, rien du tout. Je regardais de quand datait la photo. Parce que quand on voit l'équipe à côté, c'est plutôt une photo des années 70 qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr que c'est pas une photo d'hier. Non, parce que si vous pensez un seul instant qu'il a vraiment joué le match d'hier, c'est que vraiment vous y connaissez rien en football, Jean-Bernard.
Ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'en tant que président de la République, c'est incroyable de voir un président qui joue au foot, qui allait dîner chez les gens. Enfin, ça il se fait de l'accordéon dans le métro. C'est vrai. Mais non, il a joué de l'accordéon, Giscard. Enfin, vous ne savez pas ça? Non, moi, je ne savais pas. Chez les gens. Ça lui a pas porté bonheur, en tout cas. Ouais, mais je trouve ça bien. C'était un président près du peuple. D'ailleurs... C'est juste. D'ailleurs, il vient de la définition. C'est la définition exacte de Giscard. Je vous nomme président de l'Europe. Non, mais ça, c'est la définition de la démagogie. Oui. Soyez démagogue, il y a toujours un con qui marchera. Je procède Michael Jackson maintenant avec cette photo publiée par France Soir ce matin de la star arrivant hier à son procès avec au premier plan sa mère, Catherine. Quand on pense qu'on nous a longtemps fait croire que la maman de Bambi avait été abattue par un chasseur, ça va faire un rebondissement dans le procès, ça. Mais la mauvaise idée, c'est quand même d'avoir demandé à Michael Jackson de reprendre le rôle de Gérard Jugnot dans Les Choristes. Après, on s'étonne qu'aux États-Unis, le film soit interdit aux moins de 13 ans et n'obtienne pas un Oscar, franchement. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une info parue ce matin dans Le Parisien. Le film Les Choristes va être déconseillé au moins de 12 ans en Angleterre et au moins de 13 ans aux États-Unis. Alors là, il faut qu'on m'explique pourquoi interdit au moins de 12 ans. Moi, je peux vous donner l'info. Il y a des codes aux États-Unis et en Angleterre sur les films. Il s'avère que dans ce film que je n'ai pas vu, il paraîtrait qu'à un moment, ces jeunes enfants parlent de masturbation, c'est-à-dire de problèmes d'enfants de leur âge. C'est-à-dire de la vie quotidienne des enfants de leur âge. Et donc... Il est interdit que des enfants parlent de masturbation dans les films aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut voir Schwarzenegger ou Keanu Reeves, Terminator, buter quatre... Mais une petite branlette, non. Alors, voilà. C'est incroyable. Non, j'ai pas dit que c'était intelligent. J'ai dit que c'est leur code. C'est le puritanisme à l'américaine. C'est pas leur meilleure qualité. Le choix maintenant. Eh oui, le froid, même si on nous annonce que les températures devraient remonter progressivement, remarquez, tant mieux, hein, c'est pas vraiment une info, on n'a jamais consommé autant d'électricité pour chauffer les maisons, sans compter que vu le manque de personnel dans certaines maisons de retraite, on n'a même pas pensé à débrancher certains ventilateurs électriques. Alors, avec Mattei, on mourrait de chaud, avec Douste Blasi, on mord de froid, on devrait nommer à la santé Gilles de Robien, au moins lui, il est tiède. C'est l'une des rares fois où la France fait appel, juste pour 3% d'électricité globale, à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie. Comme quoi, on a besoin de centrales nucléaires. T'es vachement... T'as un savoir, hein? Bah, lui, il étudie, madame, c'est vous voyez bien. Ça a été dans les journaux. C'est bien, mon petit Stevie, continuez comme ça, vous allez la griller, l'autre, bientôt. On termine par le troisième bachelor de sa catégorie. France Soir titre ce matin « Le bachelor nouveau est arrivé ». Comme si c'était du Beaujolais, qu'une de ses 20 filles allait nous dire si cette année il a plutôt un goût de banane. Bon, elles sont 20 bachelorettes censées faire craquer le nouveau bachelor. On connaissait le collectif « Ni pute, ni soumise » sur M6, c'est tout le contraire. Une maison à 100 000 euros, tout compris. C'est ce que propose le ministre du Travail, de la Solidarité, de la Cohésion sociale, M. Jean-Louis Borloo, ce qu'il propose en tout cas aux 60% des ménages les moins riches de France dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine. C'est à Montreux, en Seine-et-Marne, ville pilote, que les 200 premières maisons à 100 000 euros seront construites. Elles mesureront entre 70 et 90 mètres carrés et comporteront 3 chambres. Même si les professionnels de la construction restent dubitatifs, l'idée semble séduire à droite et même parfois à gauche. Dan Bollander s'est rendu sur place à Montreux, dont nous allons recevoir dans un instant le maire. Et Dan a testé pour nous la visite des maisons Borloo à 100 000 euros. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert. Bonjour, ici Dan Bollander à Montreux. J'ai testé la visite des maisons Borloo à 100 000 euros. J'achète. J'achète. Voilà, bonjour monsieur. Madame. Monsieur Guibert de l'agence immobilière, oui. Je viens faire visiter la maison. Attendez, mais j'ai pas intention de vendre ma maison, vous savez. Bah si, c'est bien une maison à vendre 100 000 euros. Ah, Monique, t'as mis une autre maison en vente? T'as l'enfant, mais non. 100 000 euros, hein. En vente, quoi. Bon,
Mais vous êtes sûr que c'est pas au-dessus? Ah non, c'est bien ici, il n'y a pas de problème. Vous avez même le calico marqué à vendre ici, sur la... Où donc? Bah là, juste en bas. Notre maison est payée. Mais le terrain était acheté. Vous faites partie des maisons dites maisons Borloo. Le plan Borloo, il est au-dessus. Non, est-ce que l'on peut visiter? Attendez, c'est normal. Notre maison n'est pas à vendre, voyons. Attendez, toutes ces personnes viennent de loin pour visiter la maison. Notre maison n'est pas à vendre à 100 000 euros. Et je ne veux pas la vendre. Il faut quand même pas exagérer quand même. Bon. Cette maison vaut pas 100 000 euros, faut pas déconner. Ah bah écoutez, je ne sais pas. Moi je sais qu'elle est à vendre 100 000 euros. Bah mon cul aussi vaut 100 000 euros. C'est une toute petite maison avec un tout grand gazon. Cette belle petite maison dans ma vallée. Alors suivez-moi s'il vous plaît. Donc c'est une maison à 100 000 euros. Il y a voilà. Il y en a trois en bas, deux en haut. Nous allons visiter la maison. Je vais vous faire voir d'abord là-haut. D'accord. Juliana, c'est juste pour voir la chambre. Hein. Bonjour, excusez-nous, hein, vous dérange. Voilà, donc ici c'est plein sud. Hein. Ah, ouais. Donc là vous avez du soleil toute la journée. Hein. Voilà. Là messieurs, dames, donc vous avez une deuxième chambre qui fait environ quoi, 15 mètres carrés, un peu plus peut-être. Oui, oui, elle est grande. Elle est grande. Hein. Et puis c'est également très clair. Hein. C'est bon, hein, j'ai le dossier, il est à côté. Bah, attendez, vous n'avez pas tout vu. Hein. Mais la maison n'est pas à vendre là. Bah, c'est-à-dire, si je fais visiter votre maison, c'est qu'elle est à vendre. Bah, qui c'est qui vous a donné les... Ah bah, elle est à vendre 100 000 euros. Moi? Bah oui, ce sont les fameuses maisons Borloo, ah vous voyez. Bon oui. S'il vous plaît, nous continuons la visite. Bonjour. Alors, vous avez donc une cuisine à l'américaine, c'est ça, hein? Je sais pas, j'ai pas eu une maison en vente, hein. C'est nous les propriétaires, quand même. Alors, qui c'est qui décide de vendre la maison? C'est la mairie ou c'est Borloo, nous? Ouais, bah. Bah écoutez, je ne sais pas, en tout cas, je sais que cette maison est à vendre. C'est pour ça que je la fais visiter aujourd'hui. Bon, bah attendez, vous croyez quand même pas que je vais vendre ma maison 100 000 euros? Non mais oh. Bah pourquoi ça? Non mais attendez, je vends pas ma maison 100 000 euros, vous foutez pas de ma gueule ou quoi? Je vais trimer pendant 20 ans pour revendre 100 000 euros? Dan Bolanda, dans des maisons qui valent plus que 100 000 euros, on va recevoir tout de suite quelqu'un qui a peut-être reconnu ses administrés dans la caméra cachée de Dan Bolander, c'est le maire de Montreux, monsieur Yves Jégot. Bonjour monsieur Jégot. Secrétaire national de l'UMP en charge des nouvelles adhésions, maire UMP de Montreux depuis 1995. Vous êtes évidemment favorable au plan Borloo. Montreux a été choisi comme ville pilote. Oui, l'idée est venue de Montreux, oui. Alors les maisons qu'on a vues, ce n'est pas des maisons à 100 000 euros. On a bien compris. Vous avez un peu révolutionné la commune hier en venant faire ce tournage. Mais effectivement, c'est parti de la restructuration d'un quartier en difficulté. C'est vous qui avez eu l'idée? Et c'est l'idée, elle est venue à plusieurs, mais je suis porteur de cette idée. Alors, 100 000 euros, c'est le prix d'achat de la maison, payable mensuellement, on est bien d'accord? C'est le prix tout compris, c'est-à-dire la maison, le terrain, les frais de notaire, il n'y a aucun charge supplémentaire. C'est ce qui fait, je crois, la valeur de l'opération. C'est payable sur un prêt à taux zéro. On a lancé une politique de prêt à taux zéro sur un emprunt entre 19 et 20 ans. C'est remboursable à hauteur de moins de 500 euros par mois. Et ceux qui peuvent accéder à ces maisons sont des gens qui sont les gens qui sont logés aujourd'hui dans les HLM et qui pourront continuer à bénéficier notamment de l'aide au logement qui viendra se déduire des 500 euros. Ça, c'est important à dire. C'est-à-dire que les ex-locataires d'HLM qui seront intéressés par ces maisons Borloo continueront à bénéficier de l'aide au logement. Exactement. Continueront à bénéficier de ce qu'on appelle l'APL, l'aide au logement, et donc ils paieront un loyer résiduel. Pardon, ça peut aller jusqu'où, cette aide au logement? Il y a des gens, en fonction de leur revenu, de leur nombre d'enfants, dont le loyer résiduel ou le coût résiduel peut être de 50 ou 80 euros par mois. Donc en payant toujours 50 ou 80 euros, en bénéficiant donc de cette APL et de cette nouvelle truc, ils peuvent être propriétaires en 20 ans en payant toujours 5 ou 600 euros par mois. Avec un apport personnel qui serait de 2000 euros. 500 euros multiplié par 12, ça fait 6000 euros, multiplié par 20 ans, ça fait 120 000 euros. Donc la différence entre 100 000 annoncés et les 120 000 que ça donne quand on calcule, c'est justement les aides? C'est notamment la redevance qui est versée sur le prix du terrain. Parce que le terrain est offert par la commune et la commune touche chaque année une redevance qui est une forme de compensation de son manque à gagner sur le ce sujet. Le terrain appartient à qui, in fine, à la commune. Au bout des 20 ans? À la personne. Au bout des 20 ans, elle a un droit d'achat du terrain. Donc elle peut le revendre beaucoup plus cher. Alors s'il y a une revente avant 20 ans, elle paye le prix du terrain normal, elle rembourse si j'ose dire, et au bout des 20 ans, si elle veut le revendre, elle a constitué son patrimoine. Vous savez, il y a aujourd'hui des gens dans le parc HLM, ils sont logés pendant 30 ans dans les HLM, ils payent 3000 ou 3500 francs, et au bout de 20 ans, on leur dit au revoir, vous avez droit à rien. Ça leur permet là de se constituer un petit patrimoine et d'être sans doute plus responsable. Au bout de 20 ans,
Est-ce que le terrain appartient à ces personnes, oui ou non? Au bout de 20 ans, le terrain n'appartient pas au propriétaire de la maison. Il est propriétaire de sa maison et pas propriétaire de son terrain. C'est juridiquement possible, ça s'appelle un bail emphytéotique. Et il a à ce moment-là un droit, une possibilité, s'il le souhaite, d'acheter son terrain au prix du marché au bout de 20 ans, c'est-à-dire il est propriétaire de sa maison et il peut au bout de 20 ans acheter son terrain. De le dire. Et s'il ne peut pas acheter son terrain, le dispositif permettra de poursuivre par un nouveau bail de 20 ans. Vous voyez, une fois qu'on aura fait 40 ou 50 ans de bail, des générations sont passées par là. C'est pas important, c'est primordial. Et ça, à mon avis, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout parce que si j'achète une maison demain, moi, il est bien évident que j'achète et la maison et le terrain. Et quand je veux la vendre, je la vends. Parce Tandis que là, je ne pourrai jamais vendre ma maison et mon terrain, puisque le terrain n'est pas à moi. Mais bien sûr, si le propriétaire décide avant 20 ans de vendre sa maison, eh bien le futur acheteur achètera la maison au prix qu'elle sera estimée et achètera le terrain. Combien va coûter le terrain? 250 mètres carrés. Je vais vous dire, à Montreux, 250 mètres carrés au bout de 20 ans, ce sera 10 000 euros au bout de 20 ans qu'il faudra réinvestir pour être propriétaire, y compris du sol. Pourquoi vous offrez pas le terrain et tu serais raisonné? Mais c'est la liberté du maire d'offrir le terrain. Il faut, bah, je crois, laisser. Vous, dans votre commune, offrez le terrain. Mais je ne suis pas du tout opposé à l'idée d'offrir le terrain. Aujourd'hui, si je veux lutter contre le fait que si quelqu'un a un coup dur, il faut récupérer la maison, la remettre en état, il faut bien que je garde un droit juridique sur le foncier. Donc le système du bail emphytéotique, il permet au maire d'avoir un petit peu son mot à dire. Mais au bout du compte, ce ne sera pas au bout de 20 ans, vous savez, la famille qui aura vécu dans cette maison, ce ne sera pas les 10 000 euros de terrain qui feront la différence. Isabelle. Votre formule, ça me donne l'impression d'être... vous êtes propriétaire de votre dentier, mais pas des mandibules, quoi. Donc c'est vachement difficile de m'achouiller. La question que je me pose, c'est est-ce que ça ne va pas être une nouvelle manière de stigmatiser les pauvres et la pauvreté, de recréer des ghettos pavillonnaires? Parce que quand on a fait les bars et les HLM au début, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les gens étaient hyper mal logés, pas de salle de bain, etc. Ça a représenté une véritable amélioration de la vie des gens. Est-ce que, dans la mesure où vous allez bien entendu être obligé d'utiliser les terrains les moins chers de la ville pour bâtir ces petites maisons, est-ce que nous n'allons pas avoir dans 20 ans des ghettos pavillonnaires, comme il y en a énormément, par exemple, aux États-Unis, où il y a des quartiers entiers, des hectares et des hectares de maisons qui ne valent rien, que les gens ne peuvent pas quitter parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, mais qu'ils n'ont pas non plus les moyens d'entretenir. Bref, on en revient toujours au fait de savoir que quand on a une maison, il faut avoir les moyens d'entretenir, et que si on n'augmente pas le SMIC et les bas salaires d'une manière suffisamment spectaculaire, les gens n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir une maison individuelle. C'est pas la peine de la leur payer ou de la leur offrir. Aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et justement, tu prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, à partir du moment où les Noirs ont commencé à pouvoir avoir une petite classe moyenne avec des petites maisons, on commençait à avoir une reconnaissance sociale, on a commencé à mettre des écoles. Je suis absolument pas d'accord avec toi, je trouve que c'est une très 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 bonne initiative. Une petite maison, c'est un rêve. Il faut pas une petite maison, et il n'y a pas qu'une petite maison, excusez-moi, il y a le petit jardin, les petites 250 mètres carrés, où tu peux mettre le petit nain, où tu peux mettre deux petites chaises, une petite table, un petit barbecue. Pour 500 euros par mois, je dis que c'est formidable. Ouais. Merci. Voilà. Oui, mais... Isabelle. Il y a plein de petits villages, de ces fameux petits villages dont on parle et dans lesquels il y aura bientôt plus de postes, déjà qu'il n'y a plus d'école. Et c'est vrai que là, mais justement, les vieilles maisons qui sont là, qu'on peut retaper, des maisons qui ont du caractère, est-ce que là aussi, on ne pourrait pas trouver un système pour que les gens, pour 3 francs 6 sous, puissent simplement y aller et les retaper eux-mêmes? Isabelle, vous l'avez rêvé, Borloo l'a fait, ça s'appelle le prêt à taux zéro qui vous permet d'acheter dans l'ancien sans payer d'intérêt. Et le prêt à taux zéro est exactement la réponse à ce que vous dites. Bravo, Borloo. Alors, les premières maisons, on va les voir quand? Alors, les premières maisons, vous êtes tous invités à venir les visiter au mois d'avril ou de mai de l'année prochaine. Et il y en aura combien, là? Il y en aura une quinzaine pour commencer à Montreux. Moi, une quinzaine. Et il y a d'autres villes en France qui sont déjà... Alors, aujourd'hui, oui, il y a d'autres villes. On a une dizaine de maires qui déjà disent on est intéressés. Et l'espoir, c'est d'avoir entre 50 et 80 maires qui, dès l'année prochaine, lancent ce programme Maison à 100 000 euros en France. Parfait, vous avez répondu à toutes nos questions. Merci, monsieur Jégot, maire de Montreux. Merci beaucoup. Merci. Cinéma maintenant, puisque mercredi prochain,
sortira Le Souffleur, un film réalisé par Guillaume Pixy, avec Guillaume Pixy, Frédéric Diffenthal et Linda Hardy, ainsi que Élodie Navarre, on pourrait en citer d'autres, Vanessa Gedge par exemple. Ce film, c'est une comédie qui met en scène un acteur, un souffleur et une ravissante jeune femme interprétée par Linda Hardy. Pour parler du Souffleur, nous allons tout de suite accueillir ce couple vedette du cinéma, en tout cas pour les 8 jours qui viennent, Frédéric Diffenthal et Linda Hardy. Très bien. Bonjour. Le Souffleur sur les écrans mercredi prochain. Alors, Le Souffleur, c'est pas vous, Frédéric Diffenthal, dans ce film. Hein? Non. Vous êtes le petit ami de Linda Hardy au départ. Il aimerait bien. Et le Souffleur, c'est celui qui vous la pique. Je suis un peu en compétition avec le Souffleur, mon copain d'enfance, qui va me rendre service. D'ailleurs, je vais l'appeler à la rescousse pour pouvoir séduire cette ravissante Donc femme. Vous êtes l'objet des convoitises de deux hommes, si j'ai bien compris. Oui. Bon. Devant elle, je perds mes mots, en fait. Ça sort mercredi prochain, voici la bande-annonce. Au théâtre, il y a l'acteur modèle, il s'appelle Philippe. Hé, hey, la taupe, bah, tu montes, là, on a commencé l'entrée. Et il y a moi, Félix, le Souffleur. Seulement voilà, pour trouver mes mots à moi. Oh, pardon. Et vaincre ma timidité, ça, c'est une autre affaire. Vous avez l'heure? Je suis pas d'ici. Félix! J'ai flashé sur une fille. J'ai fait une rencontre. Et en plus, je l'ai invité à dîner. Tu pourrais pas venir. C'est qui? C'est juste un petit faible. La voilà. Qu'est-ce que je dis? T'as qu'à dire... Dépêche! Mes bulles s'impatientaient avec le champagne, ça ferait effet. Je vais me la jouer grand seigneur, avec une petite pointe de mystère. Mes bulles s'impatientaient. Je te fais visiter? Dès que j'ai vu Clara, j'ai su que c'était elle. Bonsoir, Félix. Mais quel mot utiliser pour séduire une femme? Tu veux du sel? Une seule solution, écrire mes répliques, préparer mes apparitions, devenir l'acteur de mes dialogues. Félix et Clara. Scénariser ma vie. Tout va trop vite. Le Souffleur, il écrit tout ce qu'il dit, hein, c'est ça? Il est tellement timide, c'est-à-dire qu'il scénarise tout le dialogue avant de pouvoir parler. Et même ce qu'il va faire physiquement, les gestes, quand il décide d'embrasser Clara, il sait exactement par où il va commencer. Il commence par le cou, il mordit l'oreille, enfin bon, il a tout écrit. Isabelle Alonso a vu le film. Alors, j'ai vu le film. Alors, c'est bien au-delà du fait qu'il est timide, c'est pas ça. Voilà un type qui est né dans un théâtre. Son père et son grand-père ont toujours vécu dans ce théâtre. Il vit dans le théâtre. Il refile des mots aux gens qui en ont besoin. Il résout tous les problèmes en disant des mots. Et voilà qu'on décide de se passer du souffleur. Il n'y a plus de souffleur dans les théâtres, donc il va être viré. Et donc, il sort du théâtre, donc pour aller chez la boulangère acheter du pain, pour aller ouvrir un compte à la banque et tout. Il est obligé de tout écrire à l'avance, puisque tout ce qu'il connaît, c'est des rôles. Donc, il faut qu'il joue un rôle, donc il l'écrit. Quand il s'agit de séduire une femme, vous imaginez le problème. Il scénarise tout, la visite au restaurant et tout ça. Alors, imaginez ce qui se passe le jour où elle s'aperçoit qu'il a tout écrit ce qui va se passer sur des petits carnets. Alors, je vous laisse découvrir la fin du film. C'est Le monde à l'envers, c'est l'histoire d'un type qui vit dans la fiction, dans le théâtre, et qui découvre ce que nous, on considère comme le réel. Il y a inversion du réel. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable comme film. Pierre qui a vu le film. Le film qui est charmant. Le film qui est charmant n'est pas aussi bien que ça, quand même. Parce que ça, c'est formidable, le récit qu'elle en fait. Non, mais c'est très, très bien, parce que c'est vraiment... C'est un film obsessionnel. C'est vraiment. Il y a une obsession de ce type, une obsession des mots, une obsession de qu'il faut surtout pas attendre ces mots. Et donc le Souffleur est là pour pouvoir justement empêcher cette chose-là. Il dit quand on n'a pas les mots, c'est le coma. Bon, et il voudrait se souffler à lui-même parce qu'il a peur. Il est obligé d'écrire tout et c'est formidable. C'est très très drôle. Le seul truc, c'est que c'est quand même une idée. Et pour rester une heure et quart avec cette idée. C'est une sorte de tour de force. Alors, est-ce qu'il est réussi? Moi, je trouve plutôt oui. Mais je veux dire, je ne suis pas sûr, mais c'est bon, ça vaut la peine d'y aller, ça vaut la non, peine. Non, moi, j'aime bien, c'est un film différent. Donc, ah, effectivement, c'est une question d'univers. Alors, moi, je peux comprendre que... Moi, par exemple, quand je l'ai lu, tout de suite, j'ai dit, il faut que je rencontre cette personne. À la fois, ça me parlait, et à la fois, il y a plein de choses que je ne comprenais pas vraiment, mais ça m'intéressait. Et je pense que le film est pareil, c'est vrai, il y a des gens qui vont peut-être ne pas rentrer du tout dans l'univers, mais on ne peut pas du tout dire non, ce film est mauvais. Si on aime les poursuites en voiture, il ne faut pas y aller.
Mais si on a Buster Keaton et Pierre Etex, oui, il faut s'y ruer. Voilà. Et enfin, c'est parce que vraiment, il fait avec les mots ce que Tati faisait avec les... Alors, en toute unité, c'est un premier film, en plus. Et c'est, moi, je trouve ça très maîtrisé. C'est un premier film, espérant qu'il y en aura un deuxième, parce que c'est vraiment non, bien. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est une comédie très originale, en tout cas, manifestement. D'abord, alors vous, vous avez un coiffeur différent pour chaque film. Qu'est-ce qui vous arrive, Frédéric Diefenthal? Il faut se lâcher un petit peu. Mais alors là, vous êtes blond frisé, c'est incroyable. Mais ouais, il fallait être, je sais pas, je voulais donner, c'était, voilà, faut voir un acteur, il veut être comme ça, flamboyant. Vous allez chez le même coiffeur que Berne, là, non? Christine? Moi, je veux parler à Linda Hardy. Ah. Parce que Linda, tu me sidères, vraiment. Je t'ai connue... Bon, à tes débuts, quand t'étais Miss France, après je t'ai vu potiche un peu chez Ardisson. Vous étiez Miss France ? Eh ben, ils ont bien fait. Et franchement, j'y croyais pas. Même si je te connaissais, je te trouvais très sympathique. On a pourtant, eu à l'époque, c'est pas ce que tu me disais. Tu me disais, Linda, je crois. Oui, non. Et ben, en fait, je te disais ça parce que je t'aimais bien. T'es tellement douce, tellement charmante, tellement... Ça me sidère la carrière que tu es en train de faire, c'est-à-dire que tu es en train de flamber, tu es en train de devenir une vraie vedette de cinéma et tu as galéré, tu as fait des petits rôles et je me souviens d'une époque où tu avais la dalle, où tu avais du mal à trouver 100 balles pour bouffer. Non mais, et tu es passée d'un statut comme ça de fille qui cherchait à une fille qui s'est trouvée, tu as 30 balais, tu es encore plus belle que tu l'étais à 25 balais, excuse-moi de te le dire, t'es plus femme, et je ne soupçonnais pas ce caractère, ce tempérament de tueuse. En fait, t'es une tueuse, parce que j'aimerais que tu... Je suis une guerrière, je crois que je suis une guerrière. Une guerrière. En plus, tu dis que tu es prête à tout pour un rôle. Ah bon? Tu dis que t'es prête à... Vous savez que j'ai d'excellentes accointances dans le milieu. Ne vous emballez pas. Non, tu dis que tu es prête à tourner nue, tu dis que tu es prête à prendre 30 kilos, tu dis que... Ce que je veux dire, c'est que je pense que quand on décide d'être comédienne et qu'on faut être prêt à beaucoup de sacrifices. Faut être prêt. Je pense que c'est un métier qui nécessite une force de travail extraordinaire. Mais oui, bien sûr. Et j'ai pas du tout envie de laisser les choses, de faire les choses à moitié. Et c'est vrai que je crois qu'on devrait être comme ça dans n'importe quel métier. Mais tu te rends compte qu'on s'attendait pas à ce que tu te retrouves avec Tom Hanks. T'as failli quand même avoir le rôle du siècle. C'est vrai que bon, de se retrouver en audition avec Tom Hanks, on était dix comédiens. C'est pour l'adaptation au cinéma de Da Vinci Code, hein, évidemment. Voilà, c'est bien d'y aller, d'avoir été choisi pour y aller, c'est bien. C'est maintenant, la réalité, c'est vrai que c'est quand même d'obtenir le rôle, ce que je n'ai pas eu, même si j'étais finaliste avec... Oui, tout à fait. Tu t'es fait repérer par un autre américain, tu dis. Oui, puisque je vais tourner là, un film américain en Israël pendant 3 mois, où j'ai le premier rôle également. Avec enfin, Pierre, arrêtez de draguer, enfin. Mais non, mais je ne drague pas, justement, j'ai un voyage à faire, autant que ça coïncide. Faites attention. Ça s'appelle Le Souffleur, le film dans lequel vous retrouverez Linda Hardy et Frédéric Diefenthal. Le Souffleur, un film de Guillaume Pixy, ça sort mercredi prochain. Merci à tous les deux, restez avec nous parce qu'on va parler musique. Je vais vous proposer 3 CD, il faudra en choisir un, après avoir écouté ce qu'en pensent Jean-Bernard Hébé et mes camarades. Et on commence, Jean-Bernard, par Linda Lemay. C'est sympathique, elle est québécoise, tout le monde le sait. Vous allez voir le clip. Elle n'a pas voulu mettre des go-go girls parce que c'est trop con, donc elle a mis des cow-boys en train de faire du square dance. À mon avis, c'est encore plus con que les go-go girls. L'album s'appelle Un paradis quelque part, c'est une chanteuse très appréciée. Et c'est une chanteuse à texte, hein. Elle écrit ses textes. Absolument, mais c'est vrai que c'est mieux à lire qu'à écouter. Un paradis quelque part, Linda Lemay. Je serais musicienne et je jouerais sur toi. Tu serais un poème en chantier sous mes doigts. Il existe un paradis comme dans les romans, où tu serais gentil, où tu serais charmant. Il existe un paradis, mais c'est un secret. T'en fais partie, mais tu ne le sauras jamais. Linda Lemay, nouvel album, Un paradis quelque part. Tout nouvel album, elle sera en juin au Casino de Paris dans un opéra folk. Pierre ? Moi, je trouve ça formidable. Céline Dion. Quand on voit cette soupe... Sur laquelle tout le monde s'ébahit en disant c'est formidable, c'est bien, tout ça, quand on voit les Céline Dion et autres jeunes femmes comme ça. Bon, et qu'on voit cette fille qui chante bien, qui est drôle, qui est belle, qui écrit ses textes elle-même, et qu'on entend des vieux mecs comme ça qui disent je ne sais pas, c'est mieux à lire qu'à écouter. Tu sais lire d'abord. J'ai appris en lisant ses textes. Alors là, autant
je l'aimais. Bravo, Linda Lemay. Maintenant, tu ne l'aimes plus parce autant que je l'aime. Autant je l'aimais avec sa guitare, autant elle est en train justement de faire la soupe. C'est vrai aussi. Donc, elle est en train de faire de la soupe. Et alors, les paroles de cette chanson-là, elles ne sont pas lisibles. Plus qu'écoutable, excuse-moi, Stevie. C'est d'une bêtise. Stevie. Moi, je trouve ça hyper vieux. Écoute, déjà, quitte à prendre des mecs, autant prendre des beaux mecs qu'on ait quelque chose à regarder. Dans le clip, vous voulez dire. Ah bah oui, non, mais ça va mais pas. C'est ça qui est drôle. Elle a voulu être drôle, Valérie, vous aimez, vous, je crois. Moi, je trouve ça, vachement bien. Bah, c'est en plus... moi, je préfère des mecs bien gaulés à poil. Bah voilà, non, mais c'est ça. Asian Dub Foundation, ça vous dit quelque chose, ça? Non, pas du tout. On regarde le clip. Asian Dub Foundation, la chanson s'appelle Flyover. L'album Tank, ils seront en concert à l'Élysée-Montmartre le 19 mai et en tournée à partir du 30 mars. Alors c'est branché à mort. Moi, j'ai mis tout l'album ce matin chez moi. C'est inaudible, quoi. Tu prends une tête comme une bassine. Non, parce que tu l'as mal lu. Non. Moi, j'ai eu l'impression, je te jure, qu'il y avait des marteaux piqueurs en bas de chez moi. Alors, on passe à une chanteuse française qui s'appelle Coralie Clément. L'album Bye Bye Beauté est la chanson qu'on regarde d'abord en extrait Indécise. Je ne sais pas me prendre en main. J'ai pas d'avis sur la question. Je me fous des qu'en dira-t-on. En général, ça m'est égal. Je ne prends pas de décision. Je n'ai jamais changé de ton. En général, ça m'est égal. Vous aimez ça, Linda Hardy? C'est un peu Birkin, hein. Oui, il y a un petit côté Birkin, c'est vrai. Jean-Bernard. Même la poche. Bah, c'est dans la famille Biolay, quoi. Donc oui. C'est la sœur Biolay, donc c'est très ennuyeux. Enfin, à mon point de vue. Oh là là. Mais si, Benjamin Biolay est très ennuyeux, elle est très ennuyeuse. Là encore, j'ai lu les textes sont bien. Elle ne sait pas chanter du tout. Un petit souffle de voix. C'est ce qu'avait inventé Gainsbourg avec toutes les gonzesses qui faisaient chanter, qui ne savaient pas chanter. Mais c'était formidable. Oui, mais c'était formidable. On en a eu une. On a Jane Birkin. Ça va. On n'en a pas besoin de 15 autres. Bah, moi, je trouve ça mignon. J'aime bien. C'est vrai que ça ressemble. C'est très la première époque de Jane mis en scène par Gainsbourg. Moi, Stevie. J'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Puis si tous les chanteurs savaient chanter, ça se saurait. Ça a du charme. Isabelle ? Oui, alors sûr. Moi, je me dis qu'entre les chanteuses qui gueulent comme si leur vie en dépendait et celles qui susurrent, on devrait arriver à trouver un jour un juste milieu, juste des chanteuses qui chantent. Mais la question que ça me pose, puisque c'est la petite sœur de Benjamin Biolay, je me demande à quoi ressemble une engueulade dans cette famille. Ouais, t'exagères. Pierre Bénichou ? Moi, je trouve ça pathétique. Ah oui. Pathétique, la mise en scène, les beaux yeux. N'allez pas plus loin, car voici sur notre plateau Coralie Clément. Je vous en prie, bienvenue mademoiselle. Bonjour. C'est gentil. Tu m'as pas donné la parole. Pardon ? Tu m'as pas donné la parole. Non, j'ai voulu échapper à ça. J'ai voulu échapper à ça. Vous avez quelques amis ici, vous avez vu, ouais, Coralie, j'ai les noms. Alors Jean-Bernard, je n'ose même pas répéter ce que vous... Mais je répète en face, je dis, mademoiselle, vous êtes charmante, vous êtes jolie, vos textes sont bons, vous ne savez pas chanter. Okay. Je vous avais entendu. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est pathétique une telle mauvaise foi. Coralie, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Bernard? Je réponds que peut-être. Je ne sais pas chanter, mais je sais interpréter. Non, mais il a des drôles de goût, en fait. Votre honnêteté vous honore. Vous faites exprès de chuchoter? Non, mais non, c'est que je ne sais pas chanter. Puisqu'elle ne sait pas chanter, il faut bien qu'elle... Voilà, c'est ça. Non, est-ce que vous savez chanter en vrai, à part ouais, ça? Ouais, un petit peu, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est votre deuxième album, déjà, ouais. Coralie Clément. Le premier album était un album plus concept, hein, je crois, mm-hmm. C'est ça? Vous jouiez un personnage dans cet album. Oui, mais là aussi, un peu. Là aussi? C'est le même personnage qui a un peu grandi. Mais cette chanson, je sais pas. Alors vraiment, moi, je fleure un succès possible. Ah avec oui, cette... moi aussi. J'ai tout de suite vu ça. Oui. J'ai tout de suite vu le succès qui arrivait. Pas vous. Pierre, essayez pas de vous rattraper. Ah oui. Hein. Écoutez, en tout cas, voilà, on aura au moins parlé de votre album. Certains l'ont aimé, Jean-Bernard moins. Bon, d'accord, on aura compris. Ça s'appelle Bye Bye Beauté. Et la première chanson qu'on a écoutée il y a un instant s'appelait comment déjà? Indécise. Je vous l'offre. Allez. Allez.
Je vous demande pas de choisir. Moi, je vais prendre... Asiane. Ah, bah alors, je veux bien celui-là aussi. Ah, tu veux bien. Moi, j'aime bien aussi. Ils prennent tout. On va remercier encore Coralie Clément pour son nouvel album. Merci d'avoir accepté le jeu. Frédéric Diffenthal et Linda Hardy à l'affiche du Souffleur. Ça sort mercredi, je l'ai dit, c'est un film avec Guillaume Pixie, écrit par Guillaume Pixie et réalisé par Guillaume Pixie. Il fait les trois choses en même temps. Pour un premier film, ça aussi, c'est un sacré courage. Il le fait bien. C'est une comédie romantique. Et c'est une comédie romantique, oui. Parfait. Comme on les aime. Le préciser. Merci Linda Hardy. Merci Frédéric Diffenthal. Merci à vous. Au revoir. La semaine dernière est sortie Disparue de Lyon, la huitième victime aux éditions Michel Lafon, le livre de l'animateur Jacques Pradel et de Stéphane Munka, le journaliste de l'émission à succès Perdu de vue, qui en 1995 avait reçu une lettre l'alertant de la disparition mystérieuse d'handicapés mentaux dans la région d'Auxerre. C'est grâce à cette émission Perdu de vue, pourtant décriée à l'époque, et à ce journaliste Stéphane Munka, que l'enquête sur les disparus de Lyon a débuté. On connaît la suite, le procès d'Émile Louis, etc. Ce livre, c'est le récit de l'investigation menée sur le terrain. Alors, pour tester ensemble Disparus de Lyon, huitième victime, accueillons l'ex-animateur de l'émission Perdu de vue, actuellement animateur tous les matins sur Europe 1, Jacques Pradel. Bonjour. Bonjour. Vous attendiez à l'époque à cette polémique sur Perdu de vue ? Non, pas du tout. Nous, d'abord, c'était une émission de deuxième partie de soirée au début, hein, donc vous savez que c'était vous pas. Voir, vous entendre, j'ai l'impression. Que vous... Non, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de nous faire Perdu de vue là. Oh, pas du tout. Avec vous n'avez pas un téléphone sans fil. Qu'on lui donne un téléphone sans fil. Vous vous souvenez à l'époque, il y avait la cravate aussi, la pochette. Dire, bon, changement de look. 90 à 97. J'aurais pas pensé que ça avait duré tant. Donc vous avez quand même tenu malgré les critiques pendant cette année. Oui, bien sûr. Mais au départ, j'étais même pas choisi pour faire cette émission. C'était Ladislas de Hoyos qui devait la faire. Qui était un journaliste et qui. Qui n'était pas bon. 20 jours. Non, pas du tout. 20 jours avant la première, il a eu autre chose à faire professionnellement et je suis arrivé là. C'était une émission qu'on a trouvé formidable parce que c'était une émission où, en fait, la télé, la radio, tout ça, c'est pourquoi ? C'est donner de l'émotion aux gens. Bon. Et il y avait une émotion formidable, une émotion vraie. Parce qu'on sentait que c'était vrai, c'était pas un truc truqué. Et puis peu à peu, on en est arrivé à se dire mais c'est donc ça la télévision ? Alors, c'est toujours des gens, ce que ça devient pleurnichard, ce que ça devient machin. Et en plus de ça, on joue avec l'émotion des gens. Et ceux qui avaient adoré, comme moi au début, ne pouvaient plus l'avoir après. Et vous, vous avez été, à mon avis, victime de ça. Vous avez créé un truc formidable qu'on vous a reproché après, comme on reproche aux gens qui viennent leur apprendre, vous apprendre de mauvaises nouvelles, de venir nous les apprendre, alors qu'ils y sont pour rien. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question ? J'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, que statistiquement, sur le nombre de gens que vous avez retrouvés, qui parfois ne s'étaient pas vus depuis 10, 15 ou 20 ans, ouais. En fait, au bout de 2 ans, en moyenne, après leur retrouvaille, ils recommençaient à ne plus se voir, et que finalement, la morale du truc, c'était que quand les gens se perdent de vue, ouais. Il y a une bonne raison. Oui, alors c'est pas mal. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors d'abord c'est vrai, c'est pas 2 ans, quelquefois ça a été 2 semaines. J'ose pas dire 2 heures parce que j'exagérerais, mais c'est vrai qu'il y a des gens, et ces gens sont venus me remercier après en me disant voilà, jusqu'à ce que cette émission ait lieu, que je retrouve la personne que je cherchais, je me sentais coupable de ce qui s'était passé. Et maintenant que je sais qui est cette femme ou qui est cet homme qui m'a tant manqué, eh bien, en fait, on n'a plus rien à se dire. Pas de regret à avoir. Est-ce que si on vous proposait de refaire un truc comme ça, vous le referiez ? Ou vous dites Bataille et Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau ? Je ne dirais pas Bataille et Fontaine, je ne boirai plus jamais de ton eau, mais je crois que maintenant, les choses ont évolué. Et puis, c'est vrai que les émissions sont multipliées. On n'a plus besoin de nous, on a été les premiers. Quoi. En tout cas, si on en reparle aujourd'hui, évidemment, c'est à l'occasion de la sortie de ce livre, et pas uniquement, à l'occasion aussi, évidemment, de ce qui s'est passé suite on va dire, c'est pas votre initiative, mais en tout cas suite à ce courrier reçu qui a mis au grand jour cette affaire des disparus de Lyon. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un courrier qui est arrivé à l'émission. Ouais. Un courrier signé de qui ? Alors, un courrier signé d'un monsieur qui s'appelle... toujours Pierre Monnoir, qui était le vice-président d'une petite association de handicapés de Lyon. Et il avait trouvé ce système pour attirer l'attention du public parce qu'il avait découvert qu'il y avait vraiment des actes ignobles qui étaient commis contre les handicapés mentaux dans les centres où on était censé les protéger. Et il est arrivé en nous disant, voilà, ce qui se passe dans Lyon, c'est inadmissible, il faut nous aider. Et surtout, il nous a dit, d'après nos informations, il y a 4 jeunes femmes qui ont disparu il y a
une petite quinzaine d'années. Et nous, donc, c'était des fugues au départ. Et nous sommes partis sur cette histoire-là, bien avant l'antenne. Mais très, très rapidement, on a découvert que, d'abord, c'était pas une rumeur. Et puis un jour, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau dans l'enquête, c'est qu'on trouve l'enquête d'un gendarme qui s'appelait Christian Jambert. Cet homme avait déposé toute son enquête en 1984 au tribunal d'Auxerre et il n'y avait pas eu de suite. Et c'est là qu'on a compris qu'on était au cœur d'une vraie affaire criminelle. Gendarme dont on ne sait toujours pas aujourd'hui, il y a un flou là-dessus, s'il s'est vraiment suicidé ou s'il a été abattu. Vous avez lu le livre, ouais. Isabelle. Ce qui est frappant dans cette affaire, en dehors du fait que j'ai grandi à Auxerre, dites donc, je l'ai échappé belle et... Mais surtout que t'es débile mental. J'en ai connu, non, mais je connais tous les endroits. Elle ose tout. Elle peut me dire ça, c'est un musée de jeunes filles qui avaient des moyens intellectuels assez limités. Moi, la phrase clé de tout votre livre, c'est la réaction de ce monsieur de Cuypère à Auxerre, ouais, qui répond au journaliste Minca, qui ouais, lui dit « La seule chose qui m'intéresse, c'est de conserver le secret ». Absolument. C'est entre guillemets, c'est une citation, c'est extraordinaire. À comparer donc avec les moyens mis en place quand Lady Di est morte, on a un raccourci incroyable entre ce que la République se permet de faire dans un cas ou dans l'autre. Valérie Mérès. Ben moi, je trouve que c'est passionnant. D'abord, je trouve qu'on ne peut pas réduire Jacques Pradel à perdu de vue. C'est un formidable journaliste. Moi, je me souviens de lui du temps de France Inter. À la radio, il est formidable. D'ailleurs, je vous écoute presque tous les matins. Et à chaque fois, vous êtes au courant de tout. On voit que vous connaissez tous les sujets et c'est des sujets tellement éclectiques qu'on se dit, mais ce mec, il connaît tout. Mais quoi. Je fais comme vous, je lis les livres. Oui, mais enfin, à mon avis, vous les lisez vachement plus approfondis que moi. Hein. Et c'est vrai qu'on se dit que grâce à vous, on pense quand même à ces pauvres filles dont tout le monde se foutait. Quoi. Absolument. Voilà. C'est ce qu'on a voulu faire aussi. Et je trouve que rien que pour ça, merci. Quoi. Il y a encore des parts d'ombre, hein, évidemment, dans toute cette affaire. Ouais, beaucoup, on va peut-être beaucoup en parler, mais c'est vrai quand même que... On a dit à un moment donné, est-ce qu'il était protégé, cet Émile Louis sûr. Ça, il n'y a pas moyen d'enquêter encore aujourd'hui pour savoir. Est-ce que vous avez des infos que vous ne pouvez pas écrire? Ce qu'il faut dire surtout, c'est une enquête journalistique. Il y a beaucoup de journalistes ici, donc tout le monde sait ce que ça veut dire. On n'est pas là pour rendre la justice. Donc si vous voulez, les parts d'ombre, c'est l'hypothèse du réseau, c'est l'hypothèse de la protection. On peut se poser des questions, parce que quand Stéphane Minca retrouve Émile Louis dans le Var, parce que nous, il était interdit de séjour dans Lyon, on l'a retrouvé dans le Var. Il va chez lui. Émile Louis accepte une interview. Il va là. Qu'est-ce qu'il voit la première chose? Une petite bande dessinée pour enfants. Et puis deux secondes après, la porte s'ouvre et il y a un gamin qui vient lui sauter sur les genoux et l'embrasser comme un bon oncle. Il est devenu le parrain des enfants de ses voisins. Sûr, donc il y a tout un système, si vous voulez. Donc. Christine. Alors, juste avant de vous poser la question que je voulais vous poser, je veux revenir sur Jambert. On a retrouvé... Jambert, le gendarme, hein, en question, qu'on voit là. Le gendarme. On a retrouvé, dites-vous, un mot qu'il aurait écrit, qu'il a écrit à sa fille... oui, auprès de son cadavre, en disant « Pour les assurances-vie, il y a suicide, mais je suis malade, donc ça doit être bon. » Alors ça veut dire « Je suis malade, donc vous toucherez quand même une assurance-vie. » Mais est-ce qu'il était malade et de quoi? Ça, je veux savoir. Alors, il avait fait une première tentative de suicide et c'est un homme qui avait vécu une dépression profonde. Ah. Quand nous l'avons rencontré la première dépressif. Fois, il prenait des anxiolytiques et il a reçu Stéphane en pyjama à 3h de l'après-midi. Il n'avait pas un cancer, un truc comme ça. Non, pas du tout, mais il avait une maladie vraisemblable. Enfin, il avait une très grave dépression, due aussi au fait qu'il ne se sentait pas reconnu par ses chefs, par la justice, et que la vie qu'il menait a fait que sa femme l'a quitté un jour. Deuxième question, elle est importante. J'ai lu que le parquet d'Auxerre avait fixé pour les familles des disparus qui voulaient porter plainte le dépôt d'une caution financière de 5000 francs chacune. Exact. Est-ce que c'est un fait coutumier de la justice? Ou est-ce que c'est une aberration de cette histoire? C'est coutumier parce que tout simplement c'est la loi. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Quand vous allez porter plainte dans une affaire criminelle grave, ou bien le parquet se joint à la plainte du citoyen, et à ce moment-là vous n'avez rien à payer, c'est gratuit, ou bien le parquet décide en son âme et conscience, et c'est le procureur qui assume ce rôle, de ne pas poursuivre, et à ce moment-là on paye et on vous dira, mais c'est pour que les gens n'assaillent pas les palais de justice, et pour que la justice qui a déjà énormément d'engorgement dans les affaires. Voilà. Alors c'est vrai que là c'était 5000. Alors on peut penser. Mais on peut penser que c'était dissuasif. Mais si vous voulez, ça serait trop simple de dire il y a les bons et il y a les méchants. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le livre, on rend à un juge d'instruction qui a eu la tâche peu facile à un moment, on lui rend ce qu'on lui doit. C'est-à-dire qu'il a refusé d'instruire la plainte. Et après ça, il y a eu un appel à Paris.
Et la cour d'appel de Paris l'a désigné pour instruire. Et c'est lui qui a arrêté Émile Louis. Pourquoi l'a-t-il fait? Il s'en était expliqué, on l'a reproduit dans le livre, parce que tout simplement, il avait des instructions de son procureur qui, lui, en son âme et conscience, disait « c'est pas la peine de dépenser l'argent public pour faire une enquête sur un monsieur qui, s'il est reconnu coupable de meurtre, c'est meurtre, on ne pourra pas le juger parce qu'il y aura prescription ». Et c'était l'argument juridique. Quand même de la vie et nous avons trouvé l'avocat qui a eu l'illumination et qui n'a pas déposé plainte pour meurtre. Oui, mais déjà, si quelqu'un porte plainte pour une disparition et que la justice en a rien à foutre, je trouve ça grave. Il faut passer par les médias pour pouvoir se faire entendre sur une affaire. Ouais. Normalement, la justice doit s'intéresser à tout à partir du moment où j'approuve que les médias ont un rôle dans la société, c'est très bien. Mais oui, mais c'est pas normal. Les médias ne doivent pas être plus puissants que la justice. C'est le quatrième pouvoir. Excusez-moi, mais juste, je voudrais quand même dire pour la vérité des choses, c'est pas du tout pour cirer la pompe aux officiels. Mais c'est vrai que nous, on a tiré la sonnette. Mais derrière, il y a eu des gens qui ont... Madame Lebranchu a demandé une enquête de la justice sur ce qui s'était passé. Madame Ségolène Royal, qui était ministre de la Famille, a fait énormément pour cette affaire à cause de la situation des handicapés. Donc, il y a des gens qui ont fait... Alors, ils ne pouvaient pas se réveiller un matin en sachant que ça existait. C'est grâce à nous que la nouvelle est arrivée. Mais ensuite, tout le monde a joué son rôle. Voilà. Pour en savoir plus, c'est comme ça. Disparu de Lyon, la 8e victime, l'enquête de perdu de vue, c'est chez Michel Lafon. Dites, je suis en train de penser, je quitte un peu le bouquin là, mais finalement, quelque part, vous devez savourer ce retour. Parce que je me dis quand même, pendant tant d'années, ce type, on dit, ah, perdu de vue. Pff, et là, vous revenez, d'un seul coup, alors les plateaux vous sont ouverts, les gens sont élogieux. Mais vous savez, ça va durer 8 jours d'abord. Donc, j'ai pas fait ce bouquin pour absolument refaire une émission de télé. Mais est-ce que vous avez retrouvé la fille, là, quand vous marquez sur le sable, là, comment elle s'appelait déjà? Angélique. Angélique, 3615, code. Oh oui, oui. Elle est revenue, Angélique? Elle est revenue, je vous rassure. Tout de suite, oui. Très bien. Vous restez avec nous, Jacques Pradel, pour le Qui a déconné. Le premier premier homme politique que je vous propose ce soir, c'est Laurent Fabius. Il a déjà 180 points. Et pourquoi je vous le propose ce soir, Fabius? Parce que hier, à l'Assemblée nationale, pendant que Zapatero, le premier ministre espagnol, faisait son discours, il n'a pas mis son casque pour qu'on lui donne la traduction du discours de Zapatero, ou alors il connaît très bien l'espagnol, mais en plus, ostensiblement, il lisait un livre d'art pendant tout le discours de Zapatero. Il faut dire que Zapatero est pour le oui à la Constitution et que Fabius est pour le non, mais moins, il aurait peut-être pu écouter les arguments de l'autre. Et en plus, il est parti avant la fin des applaudissements. Il a quitté l'hémicycle. 0, 10, 20 ou 30 points, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi, je lui mets 30 parce que, bon, je veux bien croire qu'il parle espagnol et qu'il n'avait pas besoin du casque, mais c'est mal poli. Et puis, lire les bouquins d'art, il a le temps quand il est chez lui. Hein. Pierre Bénichoux. Moi, j'aurais bien mis 0, mais quand même... Qu'il soit resté plongé, qu'il soit parti sans que l'autre ait fini, je trouve que, comme disait l'espagnol, il connaît pas bien bonne manière. Isabelle. Je comprends qu'en tant que partisan du non, il en ait marre de la propagande insensée qu'on est en train de faire pour le oui. Cependant, franchement, je sais que vous êtes plutôt pour le non, Isabelle, mais alors là, c'est un argument que je veux plus entendre parce que j'ai quand même nettement l'impression qu'on entend tout autant les gens qui sont pour le non que ceux qui sont pour le oui, Isabelle, franchement. En tout cas, il va se mettre à dos tous les Espagnols qui sont venus en France pour manger le pain des Français. Jean-Bernard Ribé. Insulte suprême, mal élevé, 30 points. Christine. Ces types-là, ils sont payés sur nos deniers. Donc, quand ils sont à l'école, ils écoutent le prof. 2 heures de colle, en plus. Moi, 30 points, pour les mêmes raisons. Quelqu'un qui représente l'État, donc il se doit d'être présent à l'Assemblée nationale et qui parte avant, non, c'est pas possible. Jacques Pradel. Moi, je vais hurler avec les loups. Je vais donner 30 points également. Et j'ajouterai, étant donné l'actualité récente avec Guémard, qu'un homme politique qui ne connaît pas la communication et qui ne sait pas l'importance d'une image à la télé mérite 30 points. Ça fait un total pour Laurent Fabius de 180. Ouh là là ! Et c'est important, vous savez, hein. Eh bien, Laurent Fabius est en 4e position maintenant de notre Qui a déconné. Enfin, un homme de gauche dans les 5 premiers de notre classement. J'en connais qui vont être contents. On passe à Mazarine Pinjot. Allez hop, c'est une série ce soir. Pourquoi Mazarine Pinjot? Bah écoutez, franchement, parce qu'on espère qu'elle ne va pas écrire suffisamment de livres pour remplir la bibliothèque qui porte son nom. 0, 10, 20 ou 30 points, Valérie Mérès. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. 0 points, Pierre. Moi, je mets 0 points pour 3 raisons. La première, c'est que votre plaisanterie, j'espère qu'elle ne va pas écrire assez de bouquins pour remplir la... C'est vraiment d'un niveau tellement bas que non. La deuxième, c'est parce que je connais Mazarine Pinjot, que c'est une femme absolument charmante,
La troisième, parce que je suis le seul à avoir lu son livre ici, et que c'est un livre extraordinairement révélateur de toute chose, et extraordinairement pas, justement, écrit la main sur le couture du pantalon. Je Pierre, mets zéro vous point, me connaissez, et c'était, c'était pour que vous puissiez le dire, Pierre. Ah bon, d'accord. Isabelle. Elle a été longtemps cachée, puis exhibée par d'autres volontés que la sienne. Elle décide maintenant de se mettre dans la lumière qu'elle a choisie elle-même. C'est son droit. Je le respecte et c'est intéressant de savoir ce qu'elle pense. Zéro point. Jean-Bernard. Zéro, parce qu'il faut qu'on lui foute la paix. Christine. Zéro, parce que moi, je pense à la petite fille, moi qui étais instite, tu vois, à qui on demande qu'est-ce qu'il fait ton papa et qui répond mon papa, il est président de la République et qui se prend 3 heures de colle, tu vois, c'est monstrueux. Donc il fallait bien qu'elle, enfin qu'elle le dise et que. Pour toutes les moqueries qu'elle a essuyées. Stevie. Moi, zéro. Je préfère qu'elle écrive des livres qu'elle fasse d'autres conneries. Jacques Pradel. Ben moi, je mets zéro aussi, d'abord parce que c'est sa vie, son histoire. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai commencé. Et je dirais que je pense, moi, que ce livre, elle l'a écrit autant pour nous que pour elle. Zéro point total. C'est la première fois. Ah non, il y en a eu d'autres. Oh là là. Zéro point pour Mazarine Pajot. Non. Oui. C'est la première fois que la fille cachée d'un président de la République a zéro point. Oui, ça, d'accord. Jacques Pradel et Stéphane Menka, disparus de Lyon, la huitième victime en question, vous l'aurez compris, c'est le fameux gendarme dont le rapport avait été caché pendant longtemps, l'enquête de perdue de vue, c'est chez Michel Lafon. Merci Jacques Pradel. Merci beaucoup à tous.